de ça pour passer. Hein. Parce que si je me lève, bah, il se barre en fait. Donc du coup, je passe ici. Je serre bien les genoux et les fesses doivent être le plus près possible. D'accord. Donc ça, c'est pas bon. Hein, il n'y a pas d'efficacité. Ici, je me rapproche bien. Voilà, le petit doigt. Bon, et je serre bien les genoux. Voilà, c'était juste pour montrer ça. C'est toi qui vas me le faire maintenant ? Donc là, je vais faire une sortie et un enchaînement. Bloc, une passe, voilà. Ici, si je fais rien, je me fais avoir. Donc, avant même d'être pris, il faut que je saisisse ici. Ici, c'est trop tard. Il a placé, là, c'est mort. Okay. En fait, donc, dès que vous sentez qu'il va être pris, la première chose à faire, hop, c'est saisir la cheville. Ça, c'est une défense. Si je tourne par ici, bah, il va tirer sur mon bras. Donc, en toute logique, la seule façon que j'ai de partir, c'est de partir comme ça, de me retrouver entre ses jambes. Là, je vais pouvoir tirer mon bras. Il faut tirer un petit peu. Hein. Ici, je contrôle le genou. Je fais un relais. D'accord. Et là, lui, il va mettre ses bras pour se défendre. Il va pas m'attendre. Donc, je vais attraper son bras et je vais passer. Et lui, il va pas se laisser faire. Donc, vas-y, à toi. Hop. Là, je me défends. Lui, il ressaisit. Il se place. Et on échange. Ok. Merci. Je dis ça souplement. Pour le contrôle du genou.